Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Si kidnapping nan, c'est un kidnapping qui politisé, qui en tête pensant, qui baille qui moun pour y prendre. Eh bien, gen moun tout qui pou kebe moun yo tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre ravisse prend mouvement dans metti l'appli ak Izo. Majorité moun yo kidnappé nan dernier moment là, c'est pas village de Dieu aller ak yo. Donc, geyon équipe ti kidnappé des maman qui entre dans mouvement red. Situation ça qui prend la cause Izo ak ti l'appli font camper sous kidnapping nan et libérer tout moun ki te nan men yo. Pour yo capable konnen qui est-ce qui entre dans business là, qui seulement paraît et qui ramasse tout client yo. Bagay yo pas piti. Mais, monsieur di yo fon pose, son bel geste, yo libere tout moun. Pas gen problème. Mais est-ce que nous ka kwe parol bandi yo? Ça son l'autre parole. Pour un pile moun, eh bien, c'est vu avec annonce, et premier ministre l'an te fe, quand elle te déclare bandi yo gon pè bleu, nan moment là, est-ce que c'est sent sa kap vini, hein? Eh bien, monsieur sa yo pran, qui fait au choisi, fait geste sa, m'pral l'expliquer. Après département d'État dit le pape financer référendum, non? Kounia se pral tout pas Union européenne qui dit non à président Jovenel Moïse, pape joue yon goud dans dossier référendum. Qui sa la cause Union européenne prend même et direction avec département d'État? M'pral expliquer. Ou pral saisi tant de bagay ça? Eh bien, département d'État dit le pape financer, ko groupe dit non, congressman dit non. Tandis que, bini li même ge chans chita ak DGPNH la, la planifié ki j'ai pral sécuriser référendum nan. C'est pas jouette. Les hommes di point final, bon Dieu li même li dit, pour aller à la ligne. En pile scientifique, nan moment là, mesdames, mademoiselles et messieurs, a posé tête yo question, a visité l'espace, a fait gros recherche pour koné qui sak la cause. Haïti, pas souke avec corona, yo koné nan ki condition que nan vive. Yo konnen nan ki etat ke nou ye. Donc bagay sa rete yon mystère en tête yo ke m pral explike ou. Tale kon sa. Bon Dieu sou bon Dieu ki fait miracle, ki opere, ki guéri. Mais sa m pral dou la, sa plis ke yon miracle. Yon jeune femme ki genye 25 l'année ki fait 9 petit yon sel kou, c'est pour première fois ça passe dans l'histoire d'après scientifique yo avec gros médecin yo. Ki phénomène ki explique cause ça? Eh bien, m'kal ba ou tripoutay yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est ensemble des informations sa yo ak divers lot encore. Nous pote pour rale tiches ba ou chita confortablement. M'kal ba ou tout tripoutay nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman ouye. Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore l'autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous t'ai une chance de présenter un petit compte ailleurs. Compte ça qui c'était, petit petit fait l'honneur président. Merci parce que vous avez commenté et réponse là c'était aiguille. Nouveau compte nous gagne, mesdames, mademoiselles et messieurs, un petit cric crac, Timoun Fonte, longe de wet by bonji. Timoun Fonte, longe de wet by bonji. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse pour là dans le commentaire là. Ça a fait nous plaisir. En pile, en pile. J'en ai annoncé, eh bien, si l'appli ak Izo yo même yo décidé et pour pause, pour vacances dans le dossier kidnapping, ça, puisque yo senti bagay la bouleverse, bagay la frustré, donc, moun ki te nan men yo, yo déclaré que yo libéré, que yo libéré yo tout, yo pa kebe moun nan moment là encore. Mais malgré ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier nous avons gardé dans le rapport de moun sorti à 300% kidnapping qui fait dans seulement mois avril là et puis Fochita dans la commune Kafou, 19% alors. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police mène une opération qui côté dans Kafou met 25 garçons en bas code. Donc nous capables de comprendre l'importance de Kafou dans le dossier kidnapping. Eh bien, monsieur Izo ak compère, ti la appli yo même, yo di, on fon kampe parce que nous pas ka kite yop akize nou. Akize nou comment? C'est que nous pas kidnappé moun nan dernier moment là, et nous connaît bien avant tout kidnapping qui te kon a fait, c'est dans grand ravine yo kon a lè ensemble avec ou nan village de Dieu.
Eh bien, monsieur, on dit même, n'a pas vacances, n'a pas libéré tout le monde pour nous dire qui est-ce qui a fait kidnapping. C'est même genre avec ça que t'es passé dernièrement là, dans Fontamara 43. Si j'ai une femme qui est mariée, qui est à l'étranger, le besoin fait comme, n'est-ce pas, elle dit. Et parce que j'ai contacté quelques mesdames qui ménagent au Canada, mesdames, ils disent comme ça, n'est-ce pas, au Canada, ils n'ont pas liquide même. Et la France, elle est dans un moment fait point sous eux. Oh, bon Dieu, papa. Kounya là, eh bien. Si dame ça propose kidnapper tête li et puis s'entendre ya, mande 70 000 dollars pour nèg la on jan ka gérer pour fonctionner bien dans pays. Et bien ça passe, même bandi ça ou fait, bandi dans Tibois yo ouvert enquête yo et puis yo commencé chercher. Non chercher yo joine que c'est manze qui kidnappe tête li la kaile la prend plaisir et puis il fait connait yo kidnapper. Ça pral passe, et bien bandi ça yo yo pral kembe et demoiselle ça c'est eux même qui pral mener le bay la police. Donc est-ce que m ka di bandi yo nan moment là impliqué nan faire recherche pour chercher moun ke yo di yo kidnappé qui pas kidnappé pour yo prendre bay la police. Donc est-ce que kounya m ka di bandi yo prend place la police puisque c'est la police qui t'a supposé fait mener enquête ça yo. De toute façon bandi yo marqué point red dans sens ça. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, monsieur choisi libérer tout le monde et font poser sous kidnapping na yo annoncé yo fait ça pendant un mois pour capable gérer situation business ça parce que tout le monde pas faire business ça pour un pile monde. Eh bien monsieur, c'est parce que yo pas ka gen contrôle qui fait choisi faire puisque c'est pas à cause des décisions qu'a prendre dans l'état qui t'a la cause que yo déposé zam puisque yo très puissant. Mais dernièrement là dans déclaration et premier ministre pour Tiboutan, eh bien Claude Joseph li déclaré dans yeux bandi yo gen un paix bleu. Est-ce que bandi yo fait nouvelle tout? Est-ce que yo getan konnen ki sak pral vini pou yo ki la cause comme si yo a fait quelques pas en arrière fait que la police retire focus là sur. De toute façon, on continue suivre film nan pour capable konn ki sak pral passer dans jou k'ap vini yo là. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, après département d'état fin dit non, m'pa financer référendum moi-même c'est dans élection m'brale. Kounya la, Union européenne ni même annoncé hier jeudi qu'elle pa finance organisation référendum nan ki prévoit fête nan date cap 27 juin cap vini la. Ni le pape voyé observateur Union européenne li même li jugé manque transparence démocratique nan yon pays côté que instabilité politique a fait rage. Condition pour appui finance technique pour organiser élection pas paraît clair même. Donc, yo refuse contribuer à processus d'état ça. Ambassadrice Union européenne Sylvie Tabès fait qu'on est. Pour justifier position ça, diplomate là explique. Nous considérons processus ça pas bay toute garantie transparence et démocratie à lui-même li vin en danger. Si gouvernement t'a mandé nous pour nous ta répondre, eh bien, réponse n'a pas ka positif, la négatif, pour yon mission observation. Sylvie Tabès fait déclaration ça dans une conférence avec plusieurs journalistes dans la capitale. Semaine passée, songe que États-Unis lui-même était renouvelé appel li pour organiser élection dans le pays. Pendant que tu affirmé position yo dans changement constitution malgré tout refus ça yo, gouvernement haïtien pas renoncé à projet ça. C'est ça PM Claude Joseph fait qu'on est dans une conférence li te bay madi ya. Yon référendum c'est un acte de souveraineté. Ça concerne haïtien. C'est au cap décider si on veut ou si on pas veut pour que constitution soit capable de changer. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a continuer informer. PNH avec Buni a planifié sécurité pour référendum. Police nationale pays d'Haïti a informé li te gen une rencontre avec délégation ONU qui te gen en tête li diplomate Hélène Lalim qui se chef bureau intégré États-Unis en Haïti. Yo te rencontré pour planifier sécurité pour capable réaliser référendum nan ak prochaine élection k'ap vini la. Nan date ki te 13 avril la, Buni te bay position la par rapport ak changement constitution que président Jovenel a organisé. Li pas trop entré nan cause ça, mais malgré en pile moun pas accepté, mais KEPA nan moment li commencé multiplier diverses rencontres dans tout département dans pays ya pour informer tout moun référendum nan, pour informer tout moun sur ça qui pral passer et 27 juin k'ap vini la qui c'est référendum nan que pral organiser.
Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, les hommes dit point final, bon Dieu lui-même lui dit point aller à la ligne. Bagay ça fait tête scientifique yo fait yo mal. Bagay ça fait tête chercher yo fait yo mal. Yo a demandé qui ça passe pays d'Haïti. Est-ce que gon esprit qui a protégé yo? Parce que pour Jean pays a fonctionné là. Pour Jean, nous qu'on levons matin s'attendre à nous passer quand on machin fat rabais ça pas garder nous just pull up et puis nous pont partir nous racher mettez dans bol nous qui est nouveau là-bas après ça nous pont gazer et puis nous rend nos gaz nous demander chambre aller refaire vivre et puis s'attendre à journée clair d'évangile nous gland qui passait pour accouper me charger ouais puis tout ça c'est sorte de manger nous préparer la caille pour nous manger en bas de là tout ça. Règles sanitaires ou pas respectées, ça fait mes cache-nez et laver mes. Ah, bagay ça, c'est pour les blancs, pas pour les noirs, pas pour les haïtiens. Yes, voilà. Donc, cause mette cache-nez pour entrer, pour sortir dans la machine. Nous pas respecter bagay ça. Respecter 1m50. Bagay ça ou pas existe dans le pays d'Haïti. Parce que nous monte camionnette, nous, les nap sortis dans la nuit, nous pas cache une machine, nous tout obligé plaquer pour nous arriver la caille. Aussi simple que ça. Et tandis que, ministre justice là, ministre santé hier, déclaré que faut que nous toujours respecter ensemble de principes que l'État a établi pour faire corona. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, go chercher ou déclarer, yon pa ka comprendre qui sa la cause haïtien pa mourir dans corona. Yon te la gon plan pour nous, pour yon touye, nous, franchement. Parce que tout bagay nous fait paraître un mystère pour yon. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, imaginez-vous, pour gagner sécurité dans des gwen, pour gagner instabilité politique, pour gagner sécurité sanitaire, pour toute insécurité honnête dans des gwen, nous, kounya pou ta vin go insécurité la santé. Hey, bagay la tabdi. Oh! Bien que yo tout yo gon équipe moun ki t'a obligé chercher côté pou mit ko parce que t'a paix pou pas vinn malade. Mais imagine pour bagay ça te frappé nous genre République Dominicaine te frappé ya et puis pour tout moun ça t'a mouri ça l'état t'a fait bagay la pas t'a facile même non en moment mesdames mademoiselles et messieurs et en pile moun t'a tombé oui ça la cause en pile moun t'a tombé parce que gon paquet moun là ou bagay la comme ça t'a commencé bre ti fey collé sou moun non konn les moun malade en Haïti gon son yo baou. Bah qui belle logue ti fièvre nous konti ba elle logue ti fièvre mesdames mademoiselles et messieurs grand nous kwe ti poule ti malta bon ti bouillon ou senti c'est dans la fièvre la seule mon arrêté malgré guéri ou fait tirer chien a toujours pour se ta commencé konti puis ta continuer bon même petit traitement aïe 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 ti poule pays ah ça manque mais de pour guéri chercher travail ou faire ou pas bon même attention ça encore bagay là pas facile non mes amis. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'es cherché au fait au mal. Y'a demandé qui sac la cause, qui sac passé qui fait Haïtien pas mourir, qui sac passé Haïti qui fait c'est youn pays qui pas frappé par rapport à Corona. Sac passé malgré tant de ministères disent tant bail tant monter tant prend tant mourir tant chaper. Donc franchement, nous pas qu'à comprendre situation parce que on moun monte dans camionnette ensemble avant chute en bas bouchoir pour le balai. Sak dou li ba malade. Et dernièrement, nous songe les bagages ça te fait paraître tout moun yo dou gonti epidémie, gonti fièvre, on epidémie ti fièvre de yo. Pourtant corona ka ravager yo mais bon Dieu pi fò nous chache as aussi, nous chache vie a moi ti clairer nous. Blidim nous casse kou fièvre nous voye l'aller. Nous la pou pi red. Là on dit point final, bon Dieu dit point aller à la ligne, on continue. Besoin au peuple haïtien en continuer bataille en avancer mon pou ka plago la mon pou ka fin avant là ngi surprise pour en aller aïe 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 mesdames mademoiselles et messieurs bon Dieu grand monde bon Dieu grand monde parce que là n'a garde situation imagine yon moun fait accident il pa ka jeune soin l'hôpital kounya là pour ki l'hôpital qui t'a pral capable recevoir un paquet moun ka ple de tomber dans affaire corona. Côté on t'a pral jouen oxygène pour bay tout moun sa yo. Ta kou dernièrement là, m'a kad figi et directeur la santé a qui campé avec des respirateurs artificiels que pays Mexique fait cadeau, il fait photo puis. Mais nous stupide. Hache. Konya là, pour nous tout ça t'a pral mouri. Ou songe ça qui t'est passé dans choléra, moun tellement mouri dans plateau la Tibonite. Bagay la marché y a marché de commune en commune parce que l'état pas de cas sénel parce que gon côté bagay la passé yo te ka just bloqué en droit pour que li passe qu'il est mais moun yo tout pou konn ki sa bagay la ay et bagay la arrivé sou nou brit soukou donc nou wè ki va les moun ki te tombé
Et pour bon Dieu pas ta épanier nous dans ça fait corona ça. Ou t'as prêté 15 20 cailles vide dans pays d'Haïti oui. Dans chaque bloc oui parce que moun yo mouri oui. Mais bon Dieu plus fort. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien ça sont fait insolite puisque nous pas ka pès moun pour ka comprendre phénomène ça. Eh bien yon jeune femme qui vit dans pays Maroc qui a 25 ans on seul coup qui fait 9 petites. Et selon grand chercheur, selon grand scientifique, c'est pour première fois, eh bien, bagay ça, li arrivé dans le monde, parce que yon moun chita, pour compte li seulement, li fait 9 petites. Lè que dame ça, li même li tap suive gynécologue li. Gynécologue la, te wè 7 timoun, gynécologue la, rele Mourad Yazid. C'est ça que le raconte. Mais, lè que nan moment accouchement, c'est césarienne dame nan fait. 7 premiers timoun yo, yo pesé 700 grammes. Et, lè que le fin fait ça, il pral pour le découvrir que l'est de l'autre petite tête encore. Lè le rale yo le mette de yo, et bien, de timoun sa ou de sak soti en dernier yo, yo pesé 500 grammes. Mes amis, talè, nèk sa même. On bon cochon le tagi? Non, franchement, mesdames, mademoiselles et messieurs, faut nous poser tête nous question pour demander, nèk qui en cette femme ça, son bon cochon le tagi? Donc, mon Dieu fait miracle, les gens, le gen, on kap chache yon, di ba yon, et puis ça a poussé neuf en seul coup. Donc, faut que nous posons tête nous question, est-ce que nek sa son bon cochon le tege? Parce que nous connaissons cochon, elle a volé tellement, voyant, puis il fait 15, 20 petits en seul coup. Même ici, gen, le gon bon cochon, franchement. Parce que, on n'est pas kachita, pour en cette femme, et puis, li divise en neuf. Neuf petits fait en seul coup. C'est quoi l'histoire? Neuf, oui, mes amis. Ça nek sa manje. Qui l'argent vente femme sa te, mes amis? Si docteur était ouais 7 dès l'autre est sous-entendu et elle finira aller et puis elle garde il passe 1000 ouais des titres elle passe à parler elle ouais des l'autre titre encore elle râle yo il prend des petits ça yo des petits ça au mesure 500 grammes. Césarienne n'a été bien déroulé et ceci délivrance artificielle ça a été fait normal. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs pour qu'on y a si moun yo bien gardé et yo prend soin yo et déjà yo gen 3 pédiatres cap occupé yo c'est ça docteur Mourad Yazid fait qu'on est. Donc, le plus grand risque que vous gagnez, c'est infection avec hémorragie interne. Parce que vous connaissez après accouchement, vous gagnez vraiment fragile. Dame qui fait 9 petites là, vous gagnez 5 petites filles et 4 petits garçons. Maman a passé 24 heures avant que vous te remonté, retourné dans la normal. Pour le moment là, tout bagay ok. Et le docteur aussi continue à prendre soin de bébé sa yo, et à prendre soin de maman tout. Pour pas des bagailles qui plus grave qui capable arriver donc nous capable comprendre bon imaginez et famille garçon ça gagné dans famille garçon ça gagné 6 à 7 petites garçons et puis chaque famille au contraire et puis s'entendez là ils font plein gaillé ils fait 9 petites en seul coup s'il gagné 7 petites garçons avait dit en seul coup yo chaque enceinte enfant fait 9 petites si n'a fait 7 fois 9 a nous 63 on sait quoi, il y a 63 petites. Comme tout souvent, les que moun yo fait toute petite sa yo, l'État et kon ba yo aide prend ça en charge puisque maman li même pa ka bay tout 9 petites tete, mais l'taprevon maté pil tout saut tombé le mou parce que li tap tellement vin faible. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien kounya nous rive dans partie méditation. Nous pralé dans somme 91 qui dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteindre. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une autre fois, moi, Vindou, continuez à faire bon Dieu confiance parce que c'est lui-même qui a protégé vous. Et la couvri ou en bas l'ombrage li. Anye mal pap karive ou. Même si 1000 ta kampe à gauche ou 10 000 kampe à droite ou pap atteint parce que besange mon Dieu a protégé ou
et bon Dieu couvri ou en baselle. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous ensemble, dans le cadre du programme ça en langue créole haïtien. Rendez-vous info. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti, côté ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, annoncé sur réseau social Twitter que police nationale là, ou bien unité de la police nationale là, menait une opération hier soir dans commune Kafou, dans une zone que les Chavez, côté yo arrêté environ 25 moun, 25 prétendus kidnappeurs et cambrioleurs. C'est une note que ministre Justice et Sécurité publique là fait sortir. Pendant ce temps, toujours la question et sécurité, eh bien, Haïti attend des experts internationaux qui ont sorti dans l'ONU, qui viennent aider pour faciliter référendum et élection. Donc, il y a 3 experts qui viennent. C'est Yon qui spécialiste dans renseignement et 2 dans crime organisé. C'est ministre Mathias Pierre qui est ministre qui chargé question élection avec rapport avec gouvernement et parti politique qui confirmait nouvelle là. Pendant ce temps, débat contradictoire a fait dans le pays sous plusieurs dossiers tant que référendum, élection, dialogue et surtout commission organisation état américain. Cap vini en Haïti pour yo même pour faciliter dialogue entre protagonistes, ça veut dire acteurs qui impliqués dans crise là, notamment opposition, société civile avec pouvoir en place là, mais nous tendez des réactions dépamment sous question ça. Donc un dossier que n'a su pour pendant ce temps crise là dans pays d'Haïti, les mêmes li apprend l'autre dimension chaque jour. Et pendant ce temps économie en tout, les mêmes et un coup spécialiste qu'on dit les tributaires, les dépendent en pile de ça qui a passé au niveau politique. C'est ça que fait aujourd'hui a nous gagnons comme invité tant que chaque jour nous gon gros invité aujourd'hui nous gon l'autre gros invité encore c'est qui c'est économiste c'est professeur et Edzer Emile et Edzer Emile c'est toujours un plaisir pour accueillir vous sous la Voix de l'Amérique. Merci Jacques Belizer, m'a pour saluer toutes tes spectateurs, tes spectatrices, auditeurs, auditrices la Voix de l'Amérique. Et son plaisir pour que m'avec pour après-midi. Et déjà, Emile, et tant que moi, je dis là, et c'est ça me content de savoir, ou même Kessner Farrell, Fritz Jean, Boubeuf, c'est ça nous dit que l'économie est tributaire de la politique. Ça, gros mot, ça veut dire, qui je nous capable de comprendre par rapport à la situation dans le pays d'Haïti? Très bien, Jacqueline. Ça veut dire que l'économie n'est pas capable de marcher si que, au niveau politique, pas gagner de meilleures conditions. Pas aucun côté où ka gagne un business qui a marché bien, économie a marché bien, mais que politiquement, on a une situation d'instabilité et d'insécurité, je nous gagne aujourd'hui. Parce que leur gagne une politique qui est instable et qui a bien problème, question de sécurité, kidnapping, problème gouvernement, élection, tout problème ça, il crée incertitude. Et incertitude, c'est ennemi numéro 1 de l'activité économique. Parce que ni moun kap vendre, ni moun kap acheter, ni moun ki vle investi, tout moun ap suiv, pa gen moun ki vle avanse, parce pa konn ki jan demain a pye. Et c'est sa situation jodi a la. Donc personne pa konn sa ka prive mois prochain. Personne sa pa konn sa ka prive non semaine. Donc niveau d'incertitude ça justement, li rend ni difficile pour que ou planifier, li rend difficile pour capable anticiper et dans sens ça, activité économique là souffre de ça, li asphyxié. Et c'est ça nous gagne jodi a la, que ce soit au niveau de crédit, que ce soit au niveau d'investissement, que ce soit au niveau vente entreprise, consommation, population, pouvoir d'achat, la vie chère. Donc, tout gens viril sont situations qui extrêmement graves que nous avons aujourd'hui là. Et ça qui fait un peu mal, Jacqueline, c'est parce que tout focus là, mettez son bon débat, tant qu'on référendum, on oublie que l'économie a mouru, on oublie que grand pile monde qui a un business qui a fermé, on oublie que bon professionnel qui a pris ses domaines. Moun oublie que la vie chè a tout pizik moun yo, mais moun oublie tout Jacqueline, il y a 4,4 millions moun qui en situation humanitaire dans le pays. C'est deux fois plus que nous avons gagné après le cyclone Matthew.
Mais Edia Emile, pendant qu'on a parlé de toute cause ça, mais moi dans pile cob, il y a parlé de pour élection, pour référendum, dans pile cob que le gouvernement a metté dehors. Et là nous parlons de incertitude par exemple. Bon, c'est sûr que c'est spécialiste qui well, que ti malheureux à pas well, qui genre par exemple si on monde débarque dans pays, est-ce qu'on capable ouais ou parler d'un économie qui asphyxié, est-ce qui genre capable well matérialiser pour nous pour ça veut dire que yon monde qui descend en Haïti, qui ça le pral ouais qui pour dire que économie ça pas marcher. Bon, il y a un premier signe, Jacques, c'est que grand pile entreprise qui obligé fermer. Il y a des entreprises qui pas fermées, mais qui pas gagnent vente que qu'on habitué gagner. Grand pile monde qui perd du travail par rapport à contexte, un bon exemple secteur touristique. So, tout le monde qui a travaillé dans le secteur touristique, je dis à là, il pas gagner rien fait parce que touriste pas rentré dans le pays là et pas gagné la vie de nuit, j'aurais même dit là. Donc quelque part où vinn gagne une situation extrêmement difficile, transport entre ville et ville, il y a une difficulté pas. Donc écoute tout, encore une fois question, hein, ou apouel clairement, parce qu'on va rendre compte que déplacement qu'a fait, circulation de biens et de personnes n'est pas aussi fluide que le qu'on a habitué. Ou ap clairement, ouais, que depuis long le, la rue a blanche. Donc, ou pas même besoin de mon expliquer au lit, depuis dans la rue, ou ap rendre compte que bon certain le, il y a des côtés dépouillés, même motocyclette ou pas besoin. Donc, ça prouve clairement que bon bah, qui pas marché, et c'est dommage que focus là, pas mettre sous question économie, il pas mettre sous misère, il pas mettre sous la vie chère, il pas mettre sous entreprise qui pas capable de vendre, il pas mettre sous pouvoir d'achat moun qui fin fini, mais aussi dollar tout qui fin manger tout épargne moun avec tout ça moun a recevoir comme transfert. Donc moi crois que je dis à là, l'important que j'ai invité nan là pour que nous parler sous question économie, sous question poche moun yo, et pour moi il est beaucoup plus important que ça gouvernement lui-même gagne comme priorité qui en département de sa population gagne comme priorité. Et dire aussi anticiper parce que m'ta parler une question sous question dollar et gagne un peut-être qu'un mystère qui gagne autour de baisse ou bien hausse dollar qu'on y a nous est tendance là qu'on y a c'est à la baisse pour good et national là. Et journée jodi a qui genre good là et qui en santé good là journée jodi a. Bon, il y a deux menaces là, Jacqueline. Premier bar là, c'est que bon marché parallèle avec prix dollar yé dans banque que lié dans la rue, ça veut les marchés informels. Et car là tellement grand, donc il y a beaucoup de monde qui bénéficie de ça pour faire commerce avec dollar. Il y a des monde qui achètent dans banque, car revendre sur marché informel. Ou encore il y a des monde qui ont accès à dollar dans BRH à travers facilité que li bay pour importateur, pour banque, pour ensemble de l'autre gros business. Alors que de yon, dollar vend sur marché informel à n'importe 20 gouttes de différence. Donc, quelque part, li vin créé une situation de, panique. Mais deuxièmement, dollar pas suffisant. Donc, moun ap chache le, yon pas jouen ni. Mettez mette sous sa troisième catégorie, c'est moun qui a recevoir un transfert, que yon même tout yon recevoir un montant en gouttes depuis octobre 2020. Jean l'état mandé ça. Parallèlement, le moun a l'acheté dans le magasin, li obligé payer yon produit côté que taux dollar plus haut que taux ti balil là. M'a bon exemple bien simple Jacqueline. On dit que vous avez $100 pour un monde dans transfert. Donc on dit taux à c'est 80 gouttes liés dans maison transfert. Donc il y a ba moun nan 8000 gouttes pour le mettre dans poche li. Mais là arrivé dans ma maison côté a vendre appareil, il besoin acheter un appareil qui vend $100. Donc yo dit que s'il pa gen $100, la paye l'en goutte à un taux de 100 gouttes. Donc là ça il vient 10000 gouttes. Donc, on a obligé de joindre 2000 gouttes en plus de même l'argent que tu voyais pour l'IA pour qu'à payer même bien ça. Donc, tout problème ça fait que mon gars recevoir transfert dans le pays, qui c'est quand même en pile monde, c'est presque 40% de la population qui dépend de transfert. Donc, mon ça a perdu chaque mois des milliards de gouttes dans l'argent que recevoir par rapport à l'argent tout change dans l'IA. Et deuxièmement, mon qui besoin de là pour de l'autre besoin, pour de l'autre bagaille que besoin fait, yo vinn pénaliser parce que dans banque côté toi puis bas banque là toujours dit pas gagner même l'or gain carnet dollar dans banque là des fois qu'on pas avoir bon dollar pour venir chercher. Donc situation ça fait que population pénalisée et moun yo même qui gagne accès à dollar vin yo même fait marché maintenant chinois avec dollar et bénéficier de lui. Mais faut nous dire tout problème ça Jacqueline, fondamentalement nous gon économie qui pas marché, nous gagne une exportation qui pas suffisant, pas gain touristes dans pays là.
par investissement étranger dans le pays, c'est seul comme diaspora qui a kembe équilibre dollar, il pas suffit par rapport à toute demande qui gagne l'économie, mais surtout que de monde qui a serré dollar pourtant l'el piché pour vendre, j'ai dit la machine noire qui au même quelque part a créé un peu de distorsion dans l'économie et ces populations qui toujours payer conséquences. Mais est-ce que c'est pas un constat d'échec pour pouvoir en place là et le fait que yon moun gen doit gagner toute et opportunité ça pour le capable jouer sous dollar pour le capable connaît exploiter même moun qui pi vulnérable dans société a est-ce que l'état pas de gon façon pour être capable régulariser question ça pour faire que eh ben moun qui pi faible pas yo même c'est yo cap subi et conséquences même de l'état ou bien de moun qui a dirigé ou bien moun qui gagne plus cob yo continue à faire beurre yo continue à faire dollar yo continue à faire plus cob malgré situation grave dans pays là. Bon Jacques, ça c'est caractéristique économie Haïti même, ça veut dire que ou gagne yon l'état qui pas gagne capacité pour capable faire règles je veux le respecter, donc l'or puissant l'or gagne moyen l'or gagne ensemble de bagarre dans mais l'État n'est pas capable de contrer nous faire rien. Donc, son l'État qui a une force sous seulement un ennemi, c'est-à-dire, les gens qui volent le cabrit, c'est les gens qui volent le bœuf, les gens qui volent deux trois bagages dans le marché public en dehors, c'est les gens qui l'État est capable de contrer. Donc, il y a un l'État qui puisse accuser les gens qui font ça pas bon, qui puisse dénoncer les gens qui font ça pas bon, mais qui n'a pas gagné ni courage, qui n'a pas gagné ni volonté pour capable établir les règles du jeu. Et les règles du jeu qui pas établi, qui fait que moun capable faire n'importe ça au niveau économique hein? Donc dans un sens qui bénéficie à une catégorie de moun et qui au détriment de une catégorie de moun. L'État connaît très bien qui moun qui gagne pile dollar dans mel qui a utilisé pour faire marché noir. C'est pas malheureux qui a fait marché noir dollar. C'est moun qui gagne gros dollar qui entre dans mel. Donc tout moun connaît qui est, tout moun connaît qui secteur. Donc quelque part, mais en même temps tout, l'État a pas mettre de voile au propre tout. Sous son l'État qui a fait déficit budgétaire, ça veut dire que dépenses sont plus haut que rentrées chaque mois, chaque trimestre, chaque année, ou même tout ou créer conditions pour que le dollar toujours là, pour que le dollar toujours monte sous population. Donc, toute question, hein, sous besoin justement un leadership qui est capable de gagner discipline, mais aussi qui gagne assez de légitimité et capacité et courage pour capable faire règles, je vais respecter, le Sahara ou capable de gagner équilibre dans toute question Sahara. Mais tout ça li lié avec question politique instabilité li lié avec production pays qui pas jamais dans niveau que supposé y mais surtout yon l'état failli qui pas gen capacité pour mettre l'ordre et pour faire je te respecter et dire Emil gen moun qui profane qui t'a dit bon journée jodi a yo dit que c'est exécutif là seulement qui gen la haute main pas gen parlement et donc ça veut dire que l'état c'est à si il t'a supposé gen plus scope dans caisse là puisque gon paquet moun ki pa gen que yo pa paye et donc santé économique l'état ta de pi bon ça qui passé contrairement à so dit parce que m'a regardé chiffre yo 5 premiers mois et année fiscale là comparé à 5 premiers mois année fiscale année dernière là déficit budgétaire là presque double donc il était pratiquement 800 à 900 millions qu'on on a presque 1.5 à 1,6 milliard de dollars américains de déficit budgétaire sous seulement 5 mois. Donc, contrairement, malheureusement, et ceci est lié à plusieurs bagailles. D'un côté, et l'ordre économique qui n'a pas marché, qui a ralenti, kidnapping avec instabilité, prend pays en otage. Donc, vente au plus bas, activité au plus bas. Donc, l'État, naturellement, gagne moins l'argent qui a porté dans la caisse. C'est parce que l'argent de l'État qui a sorti, c'est activité économique. C'est le monde qui travaille, qui paye taxes. C'est l'entreprise qui vend, qui paye taxes. Donc, l'ordre économique qui a ralenti, ça fait 2 ans qu'on a une croissance négative. Donc, c'est normal pour ne pas gagner assez l'argent. Mais parallèlement, où on l'État qui est grand dépenseur, qui a dépensé une bonne série de bagailles, des fois pas même moyen pas que ça nous les dépenses improductives. Qui dit la dépense l'argent dans le PNH pendant qu'une sécurité a pris gros chaque jour. Chiffre parle de augmentation de 300% de cas de kidnapping pendant que chaque opération police bon 100 millions de gap dépensé. Donc, quelque part, ou pas même moins résultat dépense l'État pendant que recette au pipiti qui vient faire que gagner un déficit budgétaire capable enregistré que son parlement pour mentionner à Jacqueline malgré parlement pas gagner tout monde là-dedans mais budget parlement toujours gros parce que quand même administration parlement toujours là avec des milliers de monde qui a travaillé là-dedans donc avec tout ensemble de dépenses qui a fait
Malheureusement, nous pas bénéficié de grand-chose de l'absence moun sa yo en termes de gains financiers dans le budget. Et c'est dommage. Donc, ça veut dire qu'au final, ou bon l'État qui supposait réformer, qui supposait assurer que li alloue l'argent, côté l'argent plus nécessaire, comment comprendre 40 millions de dollars à mobiliser pour question référendum, pendant que je dis à la, li clair qu'on gagne en quantité de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. On parle de 4,4 millions de monde qui seulement avec rad sou yo, qui pa gen an pou mete nan bouche chaque jour, pendant que moun ap monte descend, dépenser l'argent, faire consultation dans référendum, même population pas même embrasser cause là correctement. Et Jamil, bon faire yon considération qui triste et qui profane tout. L'homme tend de tout cas de kidnapping ça k ap gagner et en général les parler de kidnapping et monsieur c'est dollars américains ou mandé. Et est-ce que et là au monde des dollars américains en général et moun yo kidnappé a yo gen moun yo nan diaspora et grand pile petit cop kidnapping qui sorti nan diaspora ça veut dire qui entré est-ce que c'est pas un plus pour économie? Bon, par aucune façon capable associer question kidnapping avec bienfait parce que son bagage qui néfaste qui a détruit moun classe moyenne qui a détruit moun qui a fait effort entrepreneur professionnel dans le pays. Des fois même, ce n'est pas principalement proche que vous prenez, vous obligez de cotiser parce que son monde vous connaît, qui a même travail avec vous. Donc, son bagage qui a détruit le pays, qui a détruit le business, pour des gens pas circuler. Mais parallèlement, les gens qui ont fait l'argent dans le kidnapping, en pile fois, c'est des réseaux de gens qui peuvent acheter Kaye Saint-Domingue avec une valise l'argent cash. Son bande de gens qui peuvent faire blanchiment d'argent dans notre activité. Qui pas nécessairement profitable à l'économie. Parce que tout l'argent, ou encore majorité de l'argent qui gagne dans mauvaises conditions, dans le kidnapping, dans la corruption, dans la drogue, généralement, alloué dans l'activité non productive de blanchiment d'argent qui pas créé emploi, qui pas vraiment utile à l'économie réelle, mais qui surtout, quelque part, vient gonfler un ensemble de monde même qui capable de profiter pour tête, mais pas profiter à l'économie. Et encore plus, j'aime ce doula, dans pile comme ça, qui traverse les frontières, dans valise, qui a acheté appartement Saint-Domingue, qui a pris 20 000 dollars, 100 000 dollars, et encore une fois, au détriment du pays, qui doit prendre comme pays à gagner pour aller l'autre bois, qui quand même, alors que pays ça a eu même, y a marché, pas non pas marché, ou pas qu'on a qui que pour des mondes politiques, ou encore des mondes qui gagnent l'argent, qui a associé avec banditis pour faire l'argent facile au détriment de la population. Aujourd'hui, à presque 40% là-dedans, pas qu'à manger. Donc, c'est ça qui problème pays. Ce n'est pas référendum, ce n'est pas un autre bagage encore. C'est 4 millions de monde qui pas qu'à manger. C'est 3 millions de monde qui pas qu'à Baptiste. C'est 2 millions de monde qui pas qu'à aucun côté pour faire besoin. C'est sous galette qui allait, c'est dans sachet, c'est dans rage qui allait. C'est misère, c'est la vie chère, c'est job qui a perdu. C'est des milliers de monde qui va à Saint-Domingue parce que pas qu'à vivre encore. Et c'est ça le problème pays. Et il est important pour que nous virer focus conversation, pour nous virer narratif là, mettre sur le problème pays. Et déjà pour nous finir, nous connaissons que vous êtes jeune économiste, ou attiré par les jeunes et vous rencontrez en pile avec jeunes. Rapidement, dis-nous non situation économique comme ça, non situation politique comme ça, non crise qui a crasé pays. Qui sort dit jeunes là rencontrez avec vous? Rapidement, brièvement. Il est difficile, Jacqueline, pour les jeunes espoir, lorsqu'on connaît la situation de la même si on dit ça, tout autant que les gens vivent, tout autant que les gens pensent, tout autant que les gens réfléchissent, il y a espoir. Parce que le changement que nous tout le temps arrivé, il n'est pas privé de parler même. C'est les gens qui font. Et c'est pour ça moi-même, tout côté me passé, je vais encourager les jeunes pour engager, je vais encourager les jeunes pour participer, je vais encourager les jeunes pour impliquer, mais surtout pour comprendre ce qu'ils font. Parce que le changement, librement dit, pour que gagne un gros mouvement qui fait émerger l'autre vision, qui fait émerger l'autre leadership, qui fait émerger, l'autre forme de gouvernance qui a mis le monde au centre de l'agenda. Je dis, le monde n'est pas au centre de l'agenda. Mais malgré ça, nous n'avons pas découragé, nous restons avec espoir, espoir que nous sommes capables de faire mieux. Que un pile de bagages que quitter pour nous comme héritage, espoir tout que justement jeunesse ça a gagné le pour le clair, pour le comprendre, pour le conscient, pour le mobiliser jusqu'à ce qu'il y a accouché un autre bagage qui a le sens, un autre bagage qui semble avec lui, mais surtout j'aime dire là qui capable mettre conditions vie monde, qui capable mettre emploi,
qui est capable de mettre, n'est capable de dire développement au centre de l'agenda politique. Parce que je dis, il y a ça qui est agenda, c'est riche pour tête moins, riche pour famille, passer pour voir des amis moins, acheter caille dans un pays étranger, acheter caille pour des académiens, mais pas aucun intérêt par rapport au problème pays. Sinon, comment tu es capable de comprendre qu'on fait 15 mois à qu'on kidnapping qui a monté chaque jour, personne ne va jamais arriver à réaliser, faire une opération de police pour arrêter aucun monde qui bandit. Donc ça montre clairement, pas de volonté, pas de capacité et pas aucune intention pour être capable de diriger le pays ça dans le sens de la collectivité. Edia Emile, la voix de l'Amérique, merci. Son plaisir. Merci un peu. Donc c'était économiste et professeur Edia Emile qui aujourd'hui a tapé fait une approche pour aider nous comprendre réalité santé économique là dans le pays d'Haïti n'a pas entré ici aux États-Unis. Et président Joe Biden d'accord lui-même bon côté parle pour supporter levé temporaire application patente sous droit propriété intellectuelle pour vaccin COVID-19. Jean-Aubert Philippe dit nous décision ça l'ouvrir route pour pays sous-développé fabriquer et propre vaccin yo. Et Jean-Aubert ou même cap suivre événement ça dit nous plus. Effectivement, c'est un compromis qui est censé plaire un peu de monde qui déplaît l'autre monde. Ça veut dire que les compagnies qui ont fabriqué les vaccins, le compromis avec le président Biden maintenant, qui a élu en troisième voie, et bien lui-même est d'accord pour soulager les restrictions, pour camper sous règlement qui protège les droits, la propriété intellectuelle, surtout pour ça qui a un rapport avec le vaccin, mais tout qui plaît pays et sous-développé, ou même qui a une possibilité pour y aller, pour fabriquer les vaccins. Pour la population. Par exemple, l'organisation de la Médecins sans frontières, par exemple, c'est une entité qui a milité pour que le pays puisse toujours le moyen pour avoir accès avec le vaccin. Mais son dossier qui est vraiment choquant et qui vraiment fait parler de lui en pile, côté que je dis à la pays, par contre, ça peut faire pour être capable de plus tard le vaccin, parce que la distribution du vaccin n'est pas fait dire que le fait, pays pauvre, ça n'est pas accès avec le vaccin, alors que le pays riche, il a capable de plus fort dans le vaccin. L'administration Biden est d'accord pour supporter devant l'Organisation mondiale commerce là une exemption temporaire sous restriction de la propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. C'est un pas important dans la lutte mondiale contre la pandémie qui est capable de bailler gouvernement au pouvoir pour attaquer et rater avec inégalité vaccin. Le représentant commerce américain Catherine Tai a annoncé position administration dans une déclaration publiée mercredi après-midi. Dans la déclaration, le responsable a dit que l'administration a croit avec toute force la protection des droits de propriété intellectuelle, mais dans les circonstances actuelles, il doit gagner une mesure exceptionnelle. Trade is like any other tool in our domestic or foreign policy. It is not an end in itself. It is a means. Le responsable a ajouté que les États-Unis supportent l'exemption temporaire pour le vaccin COVID-19 là, qui visait mettre fin à la pandémie. États-Unis a participé activement dans les négociations avec l'Organisation mondiale commerce pour tourner une réalité. Le président Biden a en bas en pile pression pour lui lever les restrictions sur la patente de vaccin COVID-19 là, qui était une promesse qui était faite pendant la campagne électorale. Là. Mercredi 7 mai, les militants ont manifesté dans Washington DC pour ajouter voix avec les leaders mondiaux, parlementaires démocrates, organisations humanitaires et experts santé publique avec lauréat prix Nobel pour supporter des propositions qui cap lever temporairement restrictions sur patente vaccin et cap permettre pays fabriquer vaccin générique là donc qui pas original sans aucun risque pour compagnie produit pharmaceutique pas assigné au tribunal. Quelques temps avant annonçant, porte-parole Maison Blanche, James Saki, déclaré pendant que le président Biden a supporté l'exemption temporaire dans la campagne électorale, là, dit quoi que ses représentants commerce américain Catherine Tai qui a lancé le processus de délibération politique interne administration. L'Inde avec l'Afrique du Sud a déposé proposition en novembre 2020 pour demander de lever quelques restrictions qui viennent pour elle avec aspect commerce, accord OMT sous droit propriété intellectuelle. Responsable souligne l'administration a pour objectif distribuer plus de matériel par la communauté mondiale avec un prix raisonnable, avec exemption, accord pour licence ou bien toute autre forme de transfert technologie. Une révision qui fait sous données pays montrer 1,2 milliard de doses vaccins distribués sur la planète là.
ça qui est égal avec 16 doses pour chaque 100 habitants. Mais il y a un écart dans le niveau de distribution vaccinée parmi les pays. Quelques pays vaccinés plus de 50% de la population, pendant que il y a l'autre pays qui peut vacciner pas même le monde. Cependant, le fait que le président Biden d'accord pour supporter exemption provisoire sur droit de propriété intellectuelle contre vaccin, pas les 10 compagnies pour les pharmaceutiques pour commencer à mettre dehors recette vaccin pour permettre aux pays sous-développés de faire propre vaccin par eux. L'Organisation mondiale du commerce, là, c'est une organisation qui est basée sur consensus. Il n'est pas capable d'avancer tout autant l'Union européenne qui compte lever les restrictions avec tous les acteurs pas d'accord. Une fois tout le monde OMT d'accord, eh bien, la prochaine étape, c'est pour les pays appliquer des mesures au niveau national pour lever les risques légaux qui sont capables d'affecter la production pendant qu'il y a cherché fabricants alternatifs. Fondi, cofondateur compagnie logiciel Microsoft Bill Gates, pas d'accord avec exemption temporaire sous protection propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. Eh bien, j'entendais donc la troisième voie que compromis ça que l'administration joint avec l'Organisation mondiale du commerce là, eh bien, elle veut dire que si tout va marcher bien, eh bien, compagnie qui fabrique et vaccin est capable et vendre licence limitée en façon pour l'autre pays ça capable faire production et limiter tout mais pas partager toute recette ou bien encore toute recette que on connaît concernant production vaccin. Merci Jean-Robert. Donc, ce dossier que Jean-Robert a suivi pour question vaccin ici aux États-Unis, surtout avec gros campagne que président Joe Biden a mené. Nous connaît que d'ici 4 juillet, il a remis vacciné, il a remis que vacciné encore 100 millions de monde. Pendant ce temps, secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit jeudi, malgré la Russie retirer quelques forces, les déployer sous frontières, les partager avec l'Ukraine, mais toujours gain une grosse quantité de soldats et équipement qui toujours étaient dans la zone et que les États-Unis voulaient pour Moscou mettre fin à l'action agressive la poser sans réfléchir. Pendant M. Blinken a parlé dans la ville Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même dit bon côté parle que. Et la Russie a une capacité pour poser action agressive. Si Zoka a choisi pour faire ça, dans un petit bout de temps seulement, et que l'admiratitude calme Ukraine adoptée en face de provocation Moscou. Il précise dans fin mois passé, quelques gros responsables américains et l'Union européenne ont fait connaître que Moscou déployait environ 150 000 soldats russes sous frontière Ukraine et région Crimée. Chiffre ça a dépassé quantité de soldats. Gouvernement président Vladimir Poutine te mette dans la région ça depuis la Russie te annexé presqu'île Crimée en 2014. Nous pratiquement arrivé dans fin et programme nan. Et c'était un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Et merci pour attention, merci pour fidélité. On a rappelé que dans le pays d'Haïti, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, là, en parlant de Maître Rockefeller Vincent, il a annoncé que la police menait une opération hier soir dans la zone Kafou et qu'il a arrêté plus passé 20 personnes qui ont prétendu cambrioleur ou bien prétendu kidnappeur. Et puis, dans l'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, Haïti a obtenu 3 experts internationaux. C'est une demande que le président Jovenel Moïse a fait pour eux-mêmes, pour venir aider dans la question référendum avec élection. Donc, c'est 3 experts. Il y en a 2 dans le crime organisé. Il y en a qui gagne spécialisation dans le renseignement. Mes amis, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Jean-Lionel Demarat était lui-même spécial producteur. Et puis, il y a Franklin et Zami Pano, sans oublier Jean-Aubert Philippe. Et puis Rona Toussaint, Massiado Vilme, Florence Lisné, qui te permettent que Chosa allait d'aller. Moi, c'est Jacques Lamélisère. Bonsoir et à demain. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous espérons qu'il y a un pile changement qu'a fait et non seulement ça, tout pour la police débouiller le coup, mettre Jean-Jacques pour mettre sécurité dans le pays. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais aller, je vais quitter mon papa, mon Dieu, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger bah, ou la vie et la santé. Je vais vous croiser dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Je vais ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. Je vais aller.
Mais m'a quitté n'a bra papa bon Dieu parce que c'est lui-même seul qui capable protéger ba la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.